Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Code Gaming. Aujourd'hui je voudrais vous apprendre comment avoir la CAR 98 en or. Donc pour l'avoir en or, faut remplir ces défis-là. Mais le truc c'est que tout le monde n'y arrive pas. Enfin personnellement je sais que moi j'ai galéré à le faire au début parce que j'avais pas compris. Donc les aérosols ils sont simples, c'est-à-dire qu'il faut faire juste 450 kills avec. Les boisés c'est des tirs dans la tête, faut en faire 60, ça en soit c'est simple. Moi honnêtement pour faire les boisés, je vous conseillerais plus de mettre viseur à la mire, c'est-à-dire sans viseur quoi. Je conseille plus de mettre sans viseur. Après les numériques, c'est les kills accroupis, donc faut en faire 50. Donc en soit ça c'est pas très compliqué. Les kills accroupis, moi franchement je les ai fait dans le chipmunk, c'est passé crème. Honnêtement c'est passé réellement crème. En une, vos grand max de game, vous l'avez terminé ce truc. Après les dragons, c'est faire des éliminations en un seul tir. Je vous conseillerais plus ça, soit d'aller dans chipmunk. Si là beaucoup de gens, du coup vous n'avez pas besoin de tourner les 30 heures autour de la map. Ou soit dans Shothouse. Mais Shothouse c'est un peu plus compliqué, il faudrait faire plus de parties pour y arriver. C'est très chiant, enfin ça passe mais c'est chiant quand même. Les splinters. C'est les éliminations avec une arme remplie de tous ses accessoires. Il faut en faire 150. On y reviendra après. Topo c'est les éliminations à longue distance, donc ça pas de secret hein. Je pense que tout le monde le sait, pour toutes les armes c'est Shothouse pour les tirs à longue distance. Tigre c'est faire des éliminations sur véhicule. Alors élimination sur véhicule, on y reviendra après, je vous montrerai une game. Les bandes, moi je dis bandes après hein. C'est plus ça comme vous voulez. C'est faire des doubles éliminations. Ah, ça, pas de secret. Hein. Chipmunk, c'est la meilleure map pour le faire. Reptile, c'est sans aucun accessoire. Ça, vous voyez, voilà, vous pouvez choisir. Et les crânes, c'est faire 3 éliminations sans mourir. Bah, ça, c'est exactement pareil que les doubles éliminations. Je vous conseille de le faire sur Chipmunk. Donc, on va se retrouver in-game. Oh, non, on va pas se retrouver in-game. Je voulais, pour les tirs à longue distance, je vous conseille de mettre dans les canons, je vous conseille de mettre le dernier, le 27,6, pour avoir une, pour éviter dites marques à longue distance. Laser tactique, vous mettez ou pas, c'est pour viser plus vite. Mais moi je vous conseille de pas le mettre, je vous conseillerais plus de mettre, le mettre le 1. En lunettes, ça c'est vous qui voyez, moi je vous conseillerais, la lunette, elle est ouf. Zoom ajustable. Zoom ajustable, franchement, ça passe crème. Ou holographique hybride thermique. Ou viseur thermique de mercenaire. Au cas où, là, des gens qui mettent des fumigènes. En cross, je vous conseillerais plus stabilité de visée. Pour éviter de... pour être plus stable, quoi, tout simplement. À tout, c'est vous qui voyez, moi, j'en mets pas. Poignée. Stabilité de visée ou contrôle du recul, c'est vous qui voyez. Et accessoires, on les fait pas allonger, donc on en a pas besoin. Donc on se retrouve in game une fois que j'ai lancé la. Pour les splinters, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Donc voilà, on est in game, donc je suis en partie personnalisée. Moi, je vous conseillerais de vous, je pense que tout le monde sait. Hein. Là, j'ai pas besoin de le dire, vraiment, parce que voilà, vous mettez ici, bam. Et vous faites le tir de là. Donc j'ai pas mis zoom ajustable, mais je vous conseille de mettre zoom à 1, 2, 3, zoom ajustable. Voilà, vous faites le petit tir à longue distance. Ou alors vous vous mettez ici et vous attendez que l'ennemi qui passe là où j'ai tiré. Parce que je sais que honnêtement quand j'ai regardé des vidéos pour le faire, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs, voire même zéro, qui ont donné ce conseil là de se mettre ici. Ou vous vous mettez ici là. Ici ou même ici ça passe normalement. Donc après là-bas tout le monde connaît ici là, tout le monde connaît, c'est exactement là, pareil qu'ici. Ou alors sinon, personnellement moi je sais que j'ai testé,
vous mettez là. Ouais, normalement là ça marche. Si vous mettez bien collé contre le mur, vous attendez que les trucs qui passent là. Normalement ça devrait passer. Après, pour les tirs sur véhicule, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent, après peut-être que vous, vous savez, mais c'est les kills comme ça. Quand vous êtes voilà. Quand vous êtes appuyé, voilà. Vous pouvez vous mettre ici, là, ici aussi ça marche. Enfin partout, partout. Vous pouvez même vous mettre ici. Donc voilà, moi je vous conseillerais, c'est quand vous faites le tir de loin, donc par exemple vous mettez ici, vous appuyez, comme ça vous faites le tir de loin, et en même temps vous faites les défis sur véhicule. Moi personnellement ce que je fais, et même ici, voilà, vous pouvez faire vos tirs à longue distance en même temps que vos tirs sur véhicule. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao! You sent to fill my smile.